précisément dans le cas de Washington. Alors, puis, maman Marthe est née. Maman Marthe est née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais donc, t'es qu'un gnosso. Puis, là, il y a un gnosso congolais. On est dit, on a eu à ça, il s'est ajouté. Bon, la Corée, on a eu, 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 on Pourquoi pas bon de la yo? Parce que bio, bio Africa Union, et toi t'es là. Tout à coup, on n'a pas si moi, sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Mais quand on a l'air de la yo, on a l'air de la yo, mboka. Ya fraise, ya yo. Bio na bio. Bio na bio. Si on a maman bayo, pour la mon kanja isali. Parce que nous sommes moi et ali. Et kouba bani wa. Parce que nous sommes moi et ali. Ya kouba kanja isali. Et mboto ya mbise la. Parce que nous sommes moi et ali. Ya mboko mboto et ali. Kala ngando de la la. Hello. Lupi na biba ila biloko ya. Ba ina ka biloko etazini. Oni koko mama boina bona bo jeunesse. Mona etazini. Tata yo kikole la nabino. Atinde libino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okole lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bi. Wow! Is there mbus? Bana etazini. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansor mazali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga mabete, pona kozwa bilo kwa detay. Yuka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre le premier numéro de la semaine face à face. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons qui font que le pays ne se développe pas. C'est vrai, ce n'est pas une question que politique, mais on va prendre de façon holistique la question. Je reçois un fils de ce pays, mais qui a longtemps évolué à l'étranger et qui a fait des grandes études, un grand parcours. Vous allez le comprendre. Eh bien, il est médecin, il est docteur, il est spécialiste en médecine interne et en cardiologie aux cliniques internationales et nucléaires. Il est enseignant à l'université, tenez, fait en anglais, donc je vais essayer de dire ça en français, Meharry Medical College, dans la faculté de médecine, et récemment à l'université de New York. Il est médecin de son propre cabinet privé à Nashville, cardiologie consultant. Donc, spécialité, il sait détecter, traiter et arrêter la mort. Et c'est ce qu'on va voir avec lui tout à l'heure. Lui, c'est le professeur Marcel Elouhou. Je me rappelle encore, si vous pouvez penser à Marcel Liaou. Maintenant, c'est Marcel Elouhou. Professeur, comment allez-vous? Ça va bien. J'allais dire good morning. Thank you very much. Très bien. Vous êtes, on va dire, anglophone. Vous parlez français, mais vous avez été anglicisé. Voilà, j'ai fait presque toutes mes études médicales. J'ai commencé à Louvain, mais j'ai changé le plus possible et pratiquement en anglais. Alors, vous êtes... Aux États-Unis. Vous êtes médecin. Je suis médecin. Est-ce que vous faites partie de l'intellectuel congolais ou intellectuel universel ou à la limite intellectuel américain? Nous avons une organisation aux États-Unis qu'on appelle des intellectuels congolais. Mais comme vous voyez mon parcours, j'ai fait aussi partie de l'intellectuel, non pas seulement congolais, émigré, mais aussi des États-Unis. J'appartiens à des sociétés américaines de plus élevées au niveau médical. Comme vous l'aviez vu, je suis Fellow of American College of Physicians.
C'est le niveau le plus élevé qu'un médecin peut atteindre. C'est une société où on vous appelle, vous ne vous cherchez pas. Je suis aussi Fellow of American College of Cardiology. C'est le niveau le plus élevé qu'un médecin peut atteindre au niveau de cardiologie, sur le plan académique, social, éthique et tout. De quoi est fait un intellectuel de ce niveau-là? D'abord, c'est dans votre profession. Et puis, vous devez aussi être capable de discuter de tout le problème qui vous arrive dans l'environnement où vous vivez, ou même au monde. Et donner votre rationalité de comment vous réfléchissez pour résoudre ou contribuer à la civilisation de l'universel. Aujourd'hui, vous êtes Congolais ou Américain? Je suis Américain d'origine congolaise. Vous vous sentez plus redevable à qui? À l'Amérique, au Congo ou au monde, tout simplement? J'ai les mêmes problèmes que nos compatriotes juifs qui sont aux États-Unis. C'est que je suis Américain par la loi, mais mon cœur, mon cerveau, tout fonctionne comme un Américain, mais mon cœur est au Congo. Et donc, vous vous sentez beaucoup plus attaché au Congo, qui ne vous a rien donné en termes de ce que vous êtes aujourd'hui, parce que ce que vous êtes, c'est l'environnement américain, c'est le moule américain qui vous a mis dans ces conditions. Voilà, et malgré ça, vous êtes toujours porté par le Congo. Voilà, puisqu'on ne peut pas oublier ses racines. Et nous sommes là, je suis aussi devant vous, puisque nous voulons avoir une conversation avec le peuple congolais. Comment nous pouvons avancer les institutions congolaises et comment nous pouvons amener notre contribution. Quand on vous a mis au monde, on est toujours redevable à celui qui vous a mis au monde. Aujourd'hui, ça fait combien de temps depuis que vous êtes parti? Plus de 45 ans. Ah, plus de 45 ans. Si. Et vous n'avez plus jamais mis le pied ici? Non, je viens pour... Quand je me suis... à 87, je m'étais marié à une Française des Antilles. Et j'ai fait le tour, je voulais lui montrer mon pays. On a fait le tour de beaucoup de villes aux États, ici au Congo. À Kinshasa, Kisangani, Bujimai, Kananga, Lodja, Wembonya, mais je voulais lui montrer. Et puis après, ça on a fait à peu près 2 semaines. Après, je reviens que pour 3 ou 4 jours pour le deuil de famille. Et mes parents sont enterrés ici, ma mère est morte aux États-Unis. Moi, je l'ai amené ici pour se faire comme une Africaine. Je voulais qu'ils soient enterrés à la terre africaine. Donc, je viens de temps en temps, mais pas plus de 3 ou 5 jours. Et la dernière fois que vous êtes venu, c'était quand? C'était à 2017, au décès de au funérailles de ma mère. 2017? Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution, selon vous, depuis que vous êtes parti, 45 ans, je ne sais pas c'était quand exactement, mais je crois que c'était il y a longtemps. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Parce que vous, vous avez vu tous les mouvements dans notre pays. En même temps, vous avez vu le mouvement, le changement aux États-Unis. Vous avez participé au moins à tous ces changements. Et vous avez participé, même de loin ou de près, à tous les changements qui ont eu lieu en RDC. Comment vous avez vu vous-même les transformations ou les changements à RDC? On a régressé. On a régressé de plus de 50 ans. Expliquez. Quand j'ai quitté le Congo, évidemment, il y avait Mobutu qui descendait des anges. Peut-être que vous n'êtes pas accordé. Non, pas du tout. Mais j'ai appris l'histoire. Voilà. Mais il y avait un peu de l'ordre. De l'ordre, évidemment, pas la force militaire. Et c'était... Et à cette époque, même quand je vis ici dans la ville de Kinshasa, je n'ai pas grandi à Kinshasa, j'ai grandi au Sankourou. Mais même quand nous étions au Sankourou, le samedi, tout le monde travaillait pour mettre son environnement propre. Et Zaïroa, Lingi Moussala, et tout le monde faisait. Écoute, ici, quand j'arrive à Kinshasa, tout est désorganisé. Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. C'est parmi les villes les plus sales du monde. Il n'y a pas d'ordre. Même dans la conduite, je peux conduire dans toutes les villes du monde, je ne peux pas conduire à Kinshasa. Et je n'ose pas avoir une voiture à Kinshasa. Ici, c'est un pays des malades. Hein. non, c'est pas. Donc, c'est fou. Hein, voilà, à l'époque de Mobutu, il y avait un peu quand même. Et j'ai quitté plus de 45 ans. Il n'y a pas de feu vert ni de feu rouge. Il n'y a pas de qui a le droit de passer, qui n'a pas le droit de passer. Ça, c'est sûr. Sur le plan médical, on a...
Pratiquement, je me demande comment les Congolais vivent si l'OTAN, sur le plan militaire. On a régressé. Oui, on a régressé sur tous les plans. Sur le plan académique, je pouvais quitter de Lodja et aller étudier à Louvain. Ici, un Congolais ne peut pas quitter d'ici. Il aura des problèmes d'adaptation pour étudier dans des universités en Europe. Et pas, on ne peut pas même y penser aux États-Unis. C'est excessivement difficile. Donc, le pays a régressé au lieu de progresser sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan de discipline, sur le plan de santé. Tout, il y a un qui marche dans ce pays. Alors, vous, noirs, congolais, de Lodja, oui. Vous arrivez aux États-Unis, vous êtes séduit par quoi exactement? Par la peau, par l'organisation, par le travail, par la mentalité? Qu'est-ce qui vous impressionne en premier quand vous arrivez aux États-Unis? Écoute, je suis un fils d'un pasteur méthodiste. Okay. Ça, je peux voir dans vos allures. En tout cas. Voilà. Et j'ai grandi dans des stations de missionnaires méthodistes au sang courant. Donc, j'avais une affinité avec les Américains, même quand depuis que je suis né. Et quand même, quand je suis parti pour la Belgique, ma vision, c'était d'aller aux États-Unis, de bas âge, depuis 12 ans. Vous parliez anglais déjà à l'époque? Non, okay. Mais je jouais avec des enfants des missionnaires américains, de bas âge, depuis 5 ans. Donc, j'avais une vision de vouloir aller aux États-Unis. Mais ce qui m'a impressionné le plus aux États-Unis, c'est l'organisation. L'organisation, c'était un pays bien organisé. Okay. Même si vous voyez des crimes là, tout ça, c'est un pays bien organisé. Mais il faut le comprendre, la société américaine. Quelle est la place de l'éthique, la place du bon sens, des valeurs, des vertus dans la société américaine? Partout. L'Amérique a été fondée sur le concept de 12 commandements. Je disais, quand vous partez en France, j'ai épousé une Française, donc je connais, quand vous partez en France, on va dire, monsieur, c'est la loi. Aux États-Unis, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ah, d'accord. Voilà. Et quand moi, je suis parti des aux États-Unis, je ne connaissais pas toutes les lois, mais j'ai maîtrisé les 12 commandements. Depuis, puisque mon papa était pasteur, je sais qu'il ne faut pas voler. Je sais qu'il faut pas, il faut respecter les autres et tout ça. Donc, l'Amérique a été fondée sur ça. Sur ces 12 commandements. Sur ces 12 commandements. Donc, si la France est basée sur la loi, oui. L'Amérique est basée sur le bon sens. Le bon sens. Ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Voilà. Oh, d'ailleurs, une fois, j'avais un avocat. J'avais des problèmes avec un avocat qui a étudié à Harvard, Charles Hampton, que j'ai engagé. Et je lui ai parlé, comment on peut devenir un bon avocat? Il m'a dit, un bon avocat, il y a deux choses. Il faut maîtriser l'anglais et il faut avoir du bon sens. Donc, la loi, si vous avez compris, si vous avez le bon sens et que vous avez maîtrisé le sens du bon, et le juge aux États-Unis, quand ils vont vous juger, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas mauvais. Et c'est un système, anglo-saxon qu'on a adopté, où le neuf jurys qui décident, ils décident sur le bon sens, ouais, pour rendre justice. Donc, c'est le bon sens, ouais, la loi, le sens du bon et mauvais, ouais, et c'est ça, on rend la justice. Est-ce qu'en regardant les sociétés africaines, vous pensez qu'elles accordent beaucoup plus d'intérêt les bonnes choses, les bonnes actions, la vertu, les vertus, les valeurs, les principes moraux, vous pensez, l'éthique? Tu vois, la société, quand vous parlez de la société africaine, c'est général. Hein, on ne peut pas définir vraiment les pays africains comme une société africaine. Okay. Le Sénégal, ils ont adopté un système francophone. Et ils essaient d'instaurer l'éthique dans le système francophone. La Zambie, l'Afrique du Sud, c'est un système anglophone. Oui, on insiste pas seulement sur la loi, mais sur l'éthique.
Donc la société africaine comme telle, ça se définit dans différents... Dans les pays musulmans, c'est chahut à c'est la loi. Donc la société africaine... Alors, parlons de la RDC, par exemple. Oui. Je veux dire, d'un côté, à un niveau, je veux dire, un peu plus élevé, oui. Parlons de pays francophones. Oui. 60 ans après, la majorité des pays, on va dire, africains, oui. Et francophones, ont 60 ans aujourd'hui, oui. Ces pays-là. Oui. Est-ce qu'ils ont placé l'éthique, le bon sens, au premier rang? Pas du tout. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça ne marche pas? Écoute-moi. Les Africains n'ont pas bien digéré le colonialisme. Et ils veulent tous accéder à la richesse. La valeur la plus importante des politiciens congolais, c'est la richesse. Pour moi, la valeur la plus importante, ce n'est pas la richesse. C'est quoi? C'est quoi la contribution que vous pouvez amener à votre pays. C'est ce que Lumumba a fait. Alors, le politicien congolais, corrompu jusqu'au sang, et surtout avec un régime comme celui de FDL, qui a régné par la corruption, on ne peut pas avancer. Et il n'y a aucune société au monde qui peut avancer dans la corruption. Alors, mais là, nous parlons de pays africains, francophones. Mais pourquoi ça marche? Ça a l'air de marcher, on va dire, au Sénégal. Pourquoi ça a l'air de marcher dans certains pays francophones, mais pas dans d'autres, comme la RDC, Brazzaville? C'est des pays, franchement, je veux dire, derniers sur la liste. Oui, oui. En réalité, la République démocratique du Congo n'a jamais été indépendante. Comment ça? Les gens qui ont conçu notre république, Lumumba et les autres, pratiquement Lumumba, ils ont été décapités. Oui. Donc, c'était dans les ténèbres pendant 60 ans. Et puis les FDL, ils sont venus là pour essayer de nous libérer, mais ils sont venus voler. Donc, oui, mais le Congo n'a jamais connu. Et tu vois, ils ont été manipulés par les multinationales. Les étrangers qui ne veulent pas, puisque tant qu'il y a le désordre au Congo, eux, ils progressent. La Belgique n'a jamais voulu l'indépendance du Congo. Pourquoi? C'est pourquoi ils ont décapité, ils dépendent de toute l'économie du Congo. La Belgique, c'est ce qu'on appelle le méromène pour l'Occident. Donc tout ce qui vient du Congo passe par la Belgique et ils diffusent dans le monde entier. Je vais vous donner un exemple spécifique. Oui. Je vous ai dit que je suis médecin spécialiste en cardiologie nucléaire. Nous utilisons des isotopes qui viennent de Gécamines. Ce sont de radioactifs matériels que nous savons détecter les problèmes du cœur. Les gens qui sont en risque d'avoir des crises cardiaques. Alors, ces isotopes sont transférés de Gécamines. Ça transite par la Belgique. Et la Belgique diffuse au monde entier. C'est vrai ça? Oui. Et quand il neige énormément en Belgique, j'ai un centre nucléaire dans mon cabinet là. Et ces isotopes, ça décaille. Donc ça décaille, ça se volatilise. D'accord. Après 72 heures aux 5 jours. Mais quand il neige énormément en Belgique, les avions de Gécamines ne peuvent pas atterrir à Bruxelles. Mais nous sommes bloqués. Ces centres nucléaires ne peuvent pas fonctionner. Voilà l'importance du Congo. Mais on ne s'en sert pas, ces isotopes. Voilà, on n'en s'en sert pas. Ouais. Il n'y a aucun centre au Congo ici qui s'en sert de ces isotopes. J'ai été à l'université à Lovanium. Je connais le doyen des facultés ici, Jean-Marie Kayembe. Et il n'en a pas. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas ce que vous produisez chez vous et que les autres s'en servent? Voilà. Et c'est ça, puisqu'il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de leadership. Le leadership congolais a été décapité dans tous les niveaux. Et à partir de quand? Depuis 60. Mobutu, il était là pour servir les intérêts des Occidentaux. Okay. Et Zé Kabila voulait servir les intérêts du pays, mais c'était plutôt moins les intérêts des pays, les pays africains qui l'ont mis au pouvoir ne voulaient pas qu'il s'en débarrasse d'eux. Alors, je reçois, mesdames et messieurs, le professeur Marcel... Et Elou, parce qu'il faut le dire bien, Elou, avec le Congo, il faut vraiment prononcer bien les noms, Elou, qui est professeur
des universités à travers le monde, dans les plus grandes sociétés du monde, on va dire. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Alors, pour continuer, placer des j'aime et des cœurs, partager la vidéo pour permettre à tout le monde d'écouter la connaissance. Cher professeur, à partir de quel moment le Congo commence son déclin? Est-ce en 1960? Est-ce en 65? Est-ce en 90 ou en 96, l'entrée de l'AFDL? Le plus grand déclin de ce pays commence quand? Je ne crois pas que Mobutu a été préparé pour diriger ce pays. Donc, il ne s'est pas préparé. Okay. Le déclin a commencé de là. Depuis l'indépendance, Lumumba, selon les Belges, a insulté le Premier ministre et le roi Baudouin. Et il voulait à tout prix n'y a rien à faire avec le Congo. Et c'était un décret. Mobutu, c'était un général qui ne réfléchissait pas, mais qui utilisait la force pour diriger la société avec l'aide américaine et l'aide des Occidentaux. Après 32 ans, ça n'a pas réussi. C'était un décret, mais d'une façon pas rapide. Et puis, le AFDL, ils sont venus. Ils sont venus pour totalement la destruction du Congo, des institutions du Congo, toutes les institutions. C'est vrai. Oui. Et donc, avec Mobutu, c'était un décret. C'est comme une voiture. Voilà. Qui n'a plus de moteur, mais sur une pente. Voilà. Ça va quand même. Voilà. Mais avec Kabila, c'est vraiment sur une plane, on ne sait plus avancer. Oui. Et c'est totalement vers la chute, vers l'océan. Oui. Et tu vois, le président Joseph Kabila, il est venu pour servir les intérêts des pays qui l'ont mis là. Et le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays-là. Et ces pays-là, avec cet accord que Kabila, Joseph et Laurent Désilé ne voulaient pas d'accord qu'ils ont signé là, c'est que le Congo devrait être ouvert pour l'Afrique, de force ou de gré de force. Alors, Kabila est venu instaurer ce système. Donc, il ne pouvait pas, tout ce que le Congo n'a pas, tu vois ce qui m'a étonné le plus. Comment on peut vendre la Gécamine, la patrimoine national, la richesse du monde? Comment on peut vendre la Gécamine? Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Mais peut-être qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas de... Il a dit qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient plus de moyens, ils ne pouvaient plus avancer, et les institutions de Bretton Woods les ont conseillés en disant, par exemple, vous n'avez pas de moyens, vendez une partie, avec un peu de moyens, vous allez redonner autre chose. Écoutez, je suis cardiologue, j'ai un cabinet privé. Je vais dans des banques en prêter de l'argent pour, quand j'avais commencé, pour acheter des équipements, des centres nucléaires, des CT scans dans mon cabinet. Je fais un prêt et je rends ce prêt à un certain moment aux gens à qui m'ont donné. Le prêt que Yuma a donné à ces multinationales, combien de profits ils ont fait? Et combien de temps ils doivent, on doit payer ce prêt? Indéfiniment? C'est comme les dettes coloniales dans des pays francophones avec les francs CFA. Quand est-ce que ça va se terminer? Et si ces dettes ne se terminent pas, si vous n'arrivez pas à les payer tous, comment est-ce que vous aurez de l'argent pour vous développer? Donc, pour un économiste comme Yuma, c'est de l'idiotie. Ce n'est pas un homme qui réfléchit réellement. Quand vous venez emprunter de l'argent chez moi pour faire un travail bien déterminé, je vous dis, je vous rendre cet argent. Et combien ils ont emprunté? Combien de profits ils ont fait jusqu'à présent? Oui. Alors, est-ce que Yuma peut vous dire comment les gens là ont fait de profits jusqu'à aujourd'hui? Non, c'est vrai que ça, on ne le dira jamais. Ouais. Est-ce que vous êtes embarrassé quand vous apprenez des gens comme Dan Glatter, par exemple, qui arrivent au Congo avec pas assez de moyens, mais qui, hein, au bout de quelques temps, ils se retrouvent à la tête de la fortune? Absolument. Du monde, une personne incontournable. Oui. Est-ce que vous êtes sidéré par ça? Et tu vois, c'est ça, ça me fait tellement mal. C'est plus ou moins, c'est comme si on n'a pas encore développé des cerveaux dans ce pays. Comment un étranger peut venir, vous lui donnez, fait des accords, même les États-Unis, ils ont sanctionné Dan Gatler. Pas le Congo, hein, les États-Unis. C'est pratiquement de la mafia qui dirigeait le Congo pendant ces 20 ans passés. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le malheur de notre pays fait l'entrée de l'AFDL? Ah oui,
il n'y a pas de doute. Ils ne sont pas venus avec de bonnes intentions. Et nos frères qui ont collaboré avec eux, c'était par ignorance. Et je suis désolé de vous dire que la plupart de ces frères-là viennent même de ma province du Sankour. Oui, bien sûr. Voilà. Pour protéger. Pour protéger. Mais tu vois, le Sankour, le fait, c'est que le Sankour, ils ont été beaucoup aliénés par le régime Mobutu. Donc, ils cherchaient un moyen de trouver un assis. Mais c'est comme si tu fuis un lion et tu entres dans la bouche de léopard. Ils n'ont pas bien réfléchi. Est-ce que vous pensez que Kabila, pour terminer cette étape de Kabila, Kabila le père, quand il disait aux gens « n'aie jamais trahi le Congo », c'était une farce? C'était une comédie? Non, ce n'est pas une farce. Je crois que il était honnête, mais tu vas pour accéder à la présidence. Il faut se préparer. Il a fait des accords pour arriver au pouvoir. Mais il ne voulait pas trahir. Mais les accords qu'il a signés, les gens-là lui ont dit que tu es redevable à nous. Il ne savait pas se dégager. Et pour lui, écoute, j'ai des amis qui étaient des émissaires de Kabila, Joseph et Laurent Désiré Kabila, en Europe et aux États-Unis. On lui disait, on posait des questions. « Monsieur le Président, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. » Il dit « Ndiyo, Ndiyo Baba, Ndiyo. » Quand on lui dit « Mais écoutez-moi, vous avez dit que vous avez dit... » On dit « Non, mais ce que j'ai dit, c'est que j'écoute. Je n'ai pas dit que je suis d'accord. » Donc, tu vois la façon dont il parlait. Et les Américains, on disait que « He's a street smart. » Donc, c'était un homme qui peut-être n'avait pas eu beaucoup de diplômes, mais qui s'est manipulé comme un politicien. Oui. Voilà, comme Bill Clinton, il va te dire oui, 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 mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Et quand il va bien réfléchir, il va dire non, je ne peux pas accepter ça. Alors, pour Kabila, c'était toujours une procédure pour lui. Il a été dans l'opposition, il travaillait avec les Lumumba, il était dans la révolution de Lumumba, il était en exil pendant 40 ans. C'était un moyen d'accéder au pouvoir. On m'a même appris qu'à la conférence nationale souveraine, Zé Kabila est venu ici, il était ici. Il habitait à Rigini, à côté, là où il y a des professeurs. Il habitait là. Il a vu que, écoutez, c'était des blabla avec qui on ne pouvait rien à faire. Il est rentré. Donc, pour lui, c'était un moyen d'accéder au pouvoir. Et quand il est arrivé là, il y a des choses qu'on lui demandait qu'il ne pouvait pas faire comme un nationaliste. Alors, Kabila Joseph. Vous prenez beaucoup de temps pour ça. Oui, c'est ça. Le mot que j'essaie de... Le roi Léopoldi nous coupait les bras. Kabila nous coupe les têtes. Est-il un chef congolais ou pas? Quand j'ai quitté le Congo, et c'est toi, j'avais 18 ans, 19 ans, je ne savais pas le mot fosse commune. Joseph Kabila nous a amené le fosse commune. Quand j'ai quitté le Congo Kinshasa, il n'y avait pas de Kuluna. Joseph Kabila nous a amené le Kuluna. Est-ce qu'il est là pour servir le Congolais ou pour se servir? Et c'est là où je viens sur la question des nationalités. Que les Congolais doivent vraiment faire attention qui peut diriger ce pays. Et je suis d'accord. Écoute, je suis d'origine congolaise. Je suis américain. C'est possible que j'ai des ambitions politiques. Mais la loi doit s'imposer. Nous avons reçu... Le Congolais, c'était un pays accueillant. On a reçu beaucoup de réfugiés. Mais ces réfugiés nous créent de malheur, des guerres à l'Est. Ce n'est pas normal. La loi doit s'imposer pour protéger la patrie, la patrimoine. Avant de venir sur la question de la loi, ouais. Pensez-vous que Joseph Kabila est le pire des présidents qu'on ait connus dans ce pays? Oui. Il sera le pire des présidents qu'on aura connus dans l'avenir. Comment ça? Comment vous prédisez l'avenir? Mais écoute, on ne peut pas faire pire que lui. Écoute-moi. J'ai vu en direct
comment on a tué Rosie Tshimanga. Oui, malheureusement. Voilà. J'ai vu comment est-ce qu'on tirait sur la population congolaise dans des églises. Oui. Un président qui aime son pays ne va jamais faire ça. Félix Tshisekedi, j'ai dit, Félix ne va jamais prendre une armée pour aller tirer dessus le Congolais qui marche. Ça risque de ne jamais arriver. Non. Vandaliser les églises, déshabiller les prêtres. Voilà. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est venu. C'était un colonisateur. Ce n'est pas un président que vous avez élu. Alors, et non, pas seulement ça. Il y a quelque chose de plus important. Quand on tue, moi j'ai passé toute ma vie à valoriser la vie humaine. Oui. Je sauve la vie. Dans les blocs opératoires. Voilà. Alors, si quelqu'un tue un être humain, innocent, il ne valorise pas la vie. Alors, comment est-ce qu'il peut devenir président d'un pays? C'est le néocolonialisme. Et quelque chose qu'on peut faire. 18 ans après, oui. C'est une mauvaise parenthèse de notre histoire, de notre histoire, où c'était important pour l'avenir, pour le futur, selon vous. Moi, je n'étais pas d'accord ni avec le Parlement congolais, ni avec le président Tshisekedi. Il dit table rase, on commence de zéro. J'ai écrit, hein. Je n'ai pas eu la plateforme comme vous autres, mais s'il n'y a pas de justice, on ne peut pas avoir table rase. Moi, je crois que tous les gens qui ont commis des crimes contre le peuple congolais doivent être jugés. Et si la justice décide que oui, ils sont libres, ils peuvent. C'est à ce moment-là qu'on y a la réconciliation nationale. On ne peut pas avoir la réconciliation nationale quand il y a des fosses communes à Beni, des fosses communes au Kasaï, des fosses communes au Bandundu. On ne peut pas. Alors, je voudrais, cher professeur, que l'on entre dans un autre grand débat, un autre grand sujet qui va vous intéresser certainement. D'abord, comment vous définissez un intellectuel? Vous, pour vous, qui est intellectuel? Selon le président Obama, la position la plus importante dans un pays, c'est d'être un citoyen engagé. Un intellectuel, c'est aussi celui qui a des connaissances et qui s'engage dans le problème de son pays, de son monde, pour apporter sa contribution dans les valeurs de la civilisation universelle. Pour moi, c'est simple et ça. C'est ça qu'un intellectuel. Alors, quel est le rôle que l'intellectuel de la diaspora a joué dans les grands enjeux, dans les grands événements, dans les grands phénomènes de la République démocratique du Congo depuis 60 ans? En réalité, j'ai envie de savoir... À partir de quand nous commençons à compter les intellectuels de la diaspora? Ok. Je vais vous donner un exemple. Oui. Personnellement. Allez-y. Après l'arrivée de Kabila, il y avait une organisation qu'on a créée à Washington. Renaissance Nationale du Congo, ANS. Il y avait aussi le groupe Anakosa qui a accompagné Laurent Désiré Kabila. Nous avons invité des intellectuels des États d'ici. Professeur Elongo Penelongo est venu, on a invité Étienne Tshisekedi, mais il ne pouvait pas venir, et on a tenu la conférence à Washington pour savoir comment est-ce que nous pouvons aider au développement, à la stabilité politique du Congo. J'ai un ami qui est chirurgien cardiaque à Nashville. Son frère était le président du Sénat américain. Je lui ai expliqué le problème du Congo. Il m'a dit, parle à mon frère, Bill Frist. J'ai appelé Bill, on a discuté. Ça, c'était aux environs 1997, je crois. Il m'a envoyé au département d'État. Je me suis échangé avec le département d'État pour expliquer la situation, le problème du Congo. Comment est-ce que nous pouvons aider à la démocratie? Après les élections de 2011, Étienne Tshisekedi était enfermé là. Moi, j'ai envoyé des gens
pour voir comment était sa santé. J'ai écrit au président Obama comment Étienne Tshisekedi a été maltraité, qu'il était en résidence surveillée. Président Obama m'a envoyé au département d'État. J'ai été reçu au département d'État virtuel. On a discuté presque pendant 2 heures du temps sur la situation politique du Congo. La question qu'ils m'ont posée, quelle est la population maintenant, qu'est-ce que dit la population? Nous avons essayé d'encourager la population à sortir, en compagnie d'Étienne Tshisekedi. C'est Étienne Tshisekedi qui nous a dit lui-même de ne pas sortir. Voilà. Rester à la maison. Alors, et aux États-Unis, ils voulaient voir comment la population de Kinshasa allait agir. Il n'y avait rien. On était tellement découragés. Et les choses se sont passées comme vous le savez. Troisièmement, cette guerre de l'Est ici, l'ambassadeur des États-Unis maintenant, Madame Thomas, il a étudié avec un Congolais ici, professeur Zongola. Nous sommes partis lui exposer le problème de l'Est. Qu'est-ce que nous, l'intellectuel congolais, nous demandons et les solutions que nous proposons pour arrêter la guerre de l'Est? Il était à ce moment-là, l'ambassadeur, là, l'ambassadrice, là, elle était secrétaire d'État chargée des affaires africaines, Madame Thomas. J'ai sa carte avec moi ici. Et nous étions un groupe d'à peu près 5-6, nous sommes partis discuter sur le problème. Nous voulons qu'il y ait une solution qui nous écoute, nous, le diaspora congolais. C'est le président Kabila ne s'est pas présenté. C'était aux élections, ce n'était pas par hasard. Notre groupe des intellectuels, nous avons fait une pression énorme au gouvernement américain. Donc ce n'est pas puisque on doit marcher dans des rues que vous croyez qu'on ne fait rien. Vous connaissez Jean Bellé. Oui. Nous avons commencé une organisation. Nous avons, et beaucoup d'entre nous, nous avons expliqué au département d'État que ce monsieur, c'est un désastre pour le pays, qu'il ne pouvait pas continuer. C'est pourquoi il ne s'est pas présenté. Est-ce que vous avez vu un président africain qui ne s'est pas posé aux élections, qui n'a pas posé sa candidature? Le diaspora a joué un rôle important. Mais c'est il était à la fin de son mandat, le deuxième mandat. Écoutez. Il ne pouvait pas aller au troisième mandat. Mais à Burundi, est-ce qu'il n'était pas au troisième mandat? Oui, mais ici, la dynamique était forte à l'intérieur. Mais les dynamiques étaient décédées, tout ça. Mais les dynamiques étaient fortes à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Oui. Kagame est toujours la présidente. Son mandat était déjà terminé. Il y avait une force de l'extérieur, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc nous avons collaboré d'une façon que vous ne le savez pas pour l'arrêter à ne pas se présenter. Mais est-ce que vous avez levé la voix pour ces massacres à l'est de la République? Les gens se posent la question, nous connaissons tous que la société qui consomme nos minéraux, qui consomme nos matières premières, c'est l'Amérique avec les avions, avec les téléphones, avec vous utilisez même, vous l'avez dit vous-même dans la cardiologie, des isotopes et tout le reste. Donc, c'est eux qui consomment en réalité. Et quand on regarde derrière les multinationales, c'est des groupes armés, c'est des groupes pharmaceutiques, et ainsi de suite. Bon, la question c'est de savoir, qu'est-ce que vous avez fait, vous, intellectuel de la diaspora, et pas seulement intellectuel des livres, mais vous soignez des blancs, vous soignez, vous avez vu des, parfois des politiciens américains, des grands scientifiques américains, que vous avez épargné de la mort. Est-ce que vous avez su vous imposer pour arrêter ces fléaux à l'est de la République? Non, on n'a pas encore réussi à s'imposer. Oui. Mais nous continuons à travailler. Je crois qu'il y a des vidéos qu'on montre. Quand, j'ai vu moi-même une vidéo où on dit quand vous achetez le téléphone oui. cellulaire, c'est du sang congolais. Oui. C'est sort de coltan qui vient du Congo. Mais il faut comprendre aussi que les multinationales, ils sont forts. Hein? Parce que tous ces présidents des Occidentaux qui sont élus, c'est avec la contribution des multinationales. Ouais. C'est une lutte que nous devons continuer. Ce que nous devons faire et que nous devons continuer, c'est sensibiliser l'opinion américaine. Puisque les multinationales, ils vivent dans leur monde. C'est sensibiliser... L'Amérique, c'était un grand pays, c'était un continent. Ouais. Il faut continuer à sensibiliser l'opinion américaine. Dans des églises, et dans des sociétés civiles, pour qu'ils viennent de notre côté pour comprendre que
Le Congolais, c'est un être humain comme un Américain. Est-ce que vous faites cette lutte-là, ou si vous continuez à le faire? Oui, oui, nous continuons à le faire, mais ce n'est pas d'une façon là tangible que vous allez voir dans des télévisions. Nous n'avons pas encore accès à voir dans des télévisions. Si c'était ça, mais ce serait fini. Donc, tu vois, il faut continuer. Mais pourquoi vous n'avez pas accès dans le média américain? Ok, le média américain, c'est comme si c'est de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent pour être, c'est pas seulement être consultant. Et puis, il y a beaucoup de force. Le média américain est contrôlé par les multinationales. Alors, vous voulez venir les attaquer dans leurs médias. Ce n'est pas facile. Il faut débourser beaucoup d'argent. Voilà, et beaucoup d'argent, et même pour avoir accès. Est-ce que vous rencontrez souvent les autorités américaines? Vous, par exemple, en ce qui vous concerne, avez-vous rencontré déjà des Américains, des autorités américaines de haute portée, de haut niveau? Moi, j'ai dit que j'ai rencontré le président du Sénat. En dehors de lui. Le président du Sénat, j'ai été Madame Thomas, l'ambassadeur de. Elle était secrétaire d'État aux affaires africaines. On était avec lui comme ça, comme on est à peu près 3 minutes ou 1 heure. Nous avons discuté de tous les problèmes du Congo. Elle est maintenant ambassadrice aux Nations Unies et c'est bien être tout le problème de l'Afrique et ça va tourner autour d'elle. Hein. Aujourd'hui, en Afrique, au Congo, on va dire. Vous qui êtes à l'étranger, vous avez assez de moyens, intellectuels, d'assises et ainsi de suite. Combien de jeunes vous avez déjà repérés, formés, encadrés et renvoyés dans le pays pour mobiliser davantage? Ou vous, vous ne suivez que ceux qui sont déjà sortis, ceux qui sont déjà députés? Mais ces jeunes gens qui sont aujourd'hui, ils sont sans Kourou, ils sont Kisangani, Mbandaka, un peu partout, à Kinshasa même, qui se considèrent comme des jeunes leaders que l'on peut suivre, c'est aussi des bonnes armes que vous pouvez parfois appeler, à orienter, encadrer, et puis les aider à mener la lutte. Oui, oui. Mais nous sommes là, nous sommes actifs même là-dedans. Oui. Dans notre organisation ici, je n'ai pas le nom exact de l'organisation, on forme des gens même ici à Kinshasa, des leaders à Kinshasa. Je connais des jeunes femmes et de jeunes qu'on nous a envoyés de notre organisation qui viennent ici à Kinshasa pour former le leadership de demain. Moi-même, au Sankuru par exemple, je travaille avec des églises pour la construction des bibliothèques, pour éduquer la population, surtout les étudiants. Évidemment, il y a des problèmes techniques, ce n'est pas encore matérialisé, mais nous faisons d'une façon individuelle. Et on n'a pas encore porté fruit et on a des handicaps de tout ça. Quand on envoie de l'argent, on ne sait pas là où l'argent passe. C'est tout un problème, même dans le pays, dans toutes les couches. Alors, si un enfant, un élève, un étudiant, un commun des mortels vous pose la question, il dit, professeur Marcel, pourquoi le Congo ne se développe pas en dépit de toutes ses richesses, en dépit de toutes ses intelligences? Qu'est-ce que vous allez répondre? D'abord, c'est l'égoïsme congolais. L'intellectuel congolais n'a pas de conscience. Il vole sans pitié. C'est comme, il ne vole même pas comme Mobutu disait, Soko Lungu, Yiba Moke. Il veut ramasser tout. Aucune considération aux autres. Ça, c'est un point important. L'intellectuel congolais, en principe, n'a pas de conscience. Surtout ceux qui sont au pays. Et ou bien ceux qui accèdent au il y a un monsieur, je crois que vous avez, on a vu, qui était ministre de l'Éducation, Bokanga, Willy Bokanga, qui vole des millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces millions? Bah, il n'a pas encore volé. Il n'a pas encore prouvé. Ouais, mais c'est ça qu'on a dit, c'est ça qu'on nous dit. Comment est-ce que vous allez partir avec? Mais pourquoi il voulait fuir du pays? Tu vois, quand tu veux fuir du pays, c'est guilty conscience. C'est la culpabilité. Tu vois, je suis d'accord avec vous, comme un juriste, on n'a pas encore prouvé. Oui. Mais pourquoi vouloir fuir quand on vous accuse de quelque chose? Vous partez en justice, vous plaidez votre cas, que ce n'est pas vrai. Est-ce que l'impunité a aussi aidé à détruire ce pays? Oui, mais il n'y a pas, écoute-moi, c'est comme sur le Congo. Le système, un des systèmes le plus corrompu au Congo, c'est la justice. Vous savez ça, vous êtes un avocat. C'est difficile d'obtenir la justice au Congo. Ouais. Alors, tu vois, quand vous dites l'état de droit qu'on veut amener au Congo,
Et pratiquement, c'est une perception. Et les juges, sont-ils vraiment, ils ont-ils la conscience? Pas seulement de juges qui connaissent la matière à tête. Sont-ils conscients de rendre justice au peuple congolais? Je n'ai pas encore vu ça. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi la corruption? Oui, mais pas d'une façon ouverte. Hein. Pas d'une façon ouverte comme ici. Et écoute, la corruption existe. Si on t'attrape, mais tu es foutu, hein. Tu vas, quand... Donc, elle existe, mais les méthodes de répression sont tellement fortes... Que vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Et tu vas... Par exemple, quand vous m'aviez posé la question, vous êtes fellow of American College of Cardiology. Ça n'est pas seulement un diplôme académique. C'est aussi un diplôme éthique. Votre réception dans la société. Comment la société vous perçoit et que... Quand vous êtes dans un cabinet médical... Tu es avec une femme ou une jeune femme qui est nue. Comment est-ce que tu peux la traiter sans la violer? Ça, violer son identité. Ça, c'est éthique. D'accord. Voilà. Donc, sans sortir de votre cadre du professionnel, oui. vous la traitez exactement et ça s'arrête là. Non, oui, ça s'arrête là, oui, c'est tout. Et moi, je disais, je suis dans la ville de Nashville, je dis à mes enfants que je dois me comporter bien, d'une façon éthique, même quand je suis dans les toilettes. On ne sait jamais qui te regarde. Oui. Donc, tu vois, si tu es dans la rue et que tu commets, tu ne sais pas qui va reporter, comment ce médecin s'est comporté. J'ai des amis qui ont perdu la licence de pratiquer la médecine puisqu'ils ont été attrapés avec marijuana. Marijuana, c'est le marijuana. C'est la drogue. La drogue, oui. On t'arrête la science, tu ne pratiques jamais. Ah, d'accord. Ils sont aussi sévères comme ça? Oui. Que ce soit pour un blanc ou pour un noir? Oui. Écoute-moi. Il y a un médecin. Tout est maintenant dans l'Internet. Il y a un médecin qui a eu des accrochages avec sa femme. Sa femme l'a accusé qu'il l'a maltraité, l'a tapé. C'était à l'Internet. Tu peux perdre ta licence. Donc, le comportement d'un médecin pour être dans ces niveaux-là, tu ne peux pas être corruptible. Alors, comment voyez-vous l'homme politique congolais, les dirigeants congolais? Est-ce qu'il a de l'éthique? Est-ce qu'il a de la personnalité? Est-ce qu'ils ont de la dignité quand vous le rencontrez? Est-ce que vous êtes en face des hommes ou vous êtes en face de, comme Nietzsche disait, des singes grimpeurs? Souvent, je ne rencontre pas de politiciens congolais. Mais pratiquement, je n'ai aucun respect envers eux. Tout simplement. Ouais. La façon dont ils ont géré ce pays, comment je peux le respecter? Okay. Le pays le plus riche du monde, transformé au pays le plus pauvre du monde. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir... Évidemment, quand on a... Je suis désolé pour le pays. Quand j'ai affaire à des intellectuels comme le cardinal Mossengo, il a tout mon respect. Okay. Mais la plupart des politiciens congolais, mais ce sont des arrivistes, comme on dit. Est-ce que vous avez du respect pour Joseph Kabila? Pas du tout. Pour moi, c'était criminel. Tout simplement. Mm-hmm. Sans commune mesure. Oui. Il est criminel. C'était criminel qui doit être poursuivi pour ses crimes au Congo. Ben, lui, il n'a pas tué. Écoute-moi. Tu sais, aux États-Unis, ce n'est pas que lui a tué, mais les responsabilités. Il y avait l'avocat là de sans voix. Tchibiya. Qui a été tué sous régime de Kabila. Ouais. Où sont les investigations? C'était sous la présidence de Kabila. Des forces communes, c'était sous la présence de Kabila. Donc, qui est responsable? Donc, le leadership est fonction de responsabilité. Voilà, et les responsabilités, il est coupable. Est-ce que vous avez du respect pour Mobutu? Non, pas du tout. Mobutu est arrivé au pouvoir après avoir trahi le pays. Après avoir... Mobutu était pratiquement un espion de CIA et un espion belge.
qui aime son pays ne peut pas trahir son pays. Est-ce que vous avez du respect pour Étienne Tshisekedi? Étienne Tshisekedi? Oui. Oui. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a. Oui. C'est un homme qui s'est mis debout pour lutter pour le pays. Est-ce que vous avez du respect pour le cardinal Ambongo? Oui, mais il est un peu controversé. Controversé, c'est quoi? Controversé. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec sa déclaration au... J'ai beaucoup de respect à tous les, ces clergés, surtout catholiques. Ils ont passé toute leur vie pour défendre l'éthique, la vérité et ce qui est bon et rationnel. Mais je ne crois pas qu'ils ont la monopolie de la sagesse. Okay. Est-ce que vous... Mais il a mon respect, oui. Est-ce que vous avez le respect pour Félix Tshisekedi? Oui. Ah, pourquoi? J'ai rencontré Félix une fois. Et j'étais assis avec lui. Notre délégation des intellectuels américains m'a envoyé pour le rapprocher, pour savoir, avant qu'il soit président, le candidat Tshisekedi. Et j'ai discuté avec lui pendant 3 heures du temps. Lui et moi seuls, à New York, avant qu'il soit président. Et il me donnait l'impression de quelqu'un qui écoutait et qui avait les soucis de son peuple. Un, deux. Je le respecte aussi pour ce qu'il a fait écrouler la Kabylie. C'est pas facile. c'était un risque personnel qu'il a pris. Un très grand risque. Un très grand risque. Et qu'il doit être apprécié par le peuple congolais. Est-ce qu'il y a d'autres politiciens que vous respectez au Congo, par exemple? Madame Zuzi. Zuzi Wambobo. Oui. J'ai vu son parcours au TAP Congo. Et j'ai fait couler des larmes quand je l'ai vu, la situation que sa famille propre a eue et comment ils ont essayé de lutter pour préserver l'unité du pays. Moïse Katumbi? Je ne le connais pas, mais j'ai beaucoup de... Je voulais que Moïse Katumbi s'explique sur la situation de Gécamines. Est-ce qu'il était gouverneur là? Si, il a été gouverneur. Alors, quel était son impact sur cette décision de la vente de Gécamines, de désintégration de Gécamines pour et de gens comme Dan Gatler? Mais là, ce n'est pas son niveau. Non, mais des mines, c'est le président, le premier ministre, le ministre des mines, et puis voilà, quelques conservateurs miniers. Voilà, mais je veux qu'il nous donne un éclaircissement. Ah, il n'est pas coupable, okay. Mais je veux qu'il nous donne un éclaircissement. Ça, c'est... Tu vois, maintenant, le problème de Félix et du Congo, on n'a pas d'argent. Ouais, même s'il a la volonté... Ouais, tout a été vendu. Tout a été vendu. Ouais. Et je ne sais pas si la population en connaît. Comment ça s'est passé? Et moi, je suis pour que... Il faut récupérer ça. Donc, pour vous, vous n'avez pas de respect pour Yuma, on dirait. De quoi? Yuma. Non! Ce sont pas des êtres humains, intellectuels, qui font des choses comme ça. Tu vois, vous connaissez quelque chose, je suis sûr, sur la traité négrière. Oui. Le concept de la traité négrière, c'est que l'homme noir est fort physiquement, mais n'est pas intellectuellement constitué. Et qu'on nous traitait de macaques. Oui. Des singes. Oui, des macaques, des singes. Alors, quelqu'un qui agit comme ça, c'est un macaque. Voilà. Alors, on va rentrer dans votre domaine des prédilections maintenant. Non, ouais. mais oui, un peu sur Bemba aussi. Vous connaissez Bemba, Jean-Pierre? Oui, oui. Un peu de, vous avez de respect pour lui? Oui, Bemba, c'était nationaliste. Je ne le connais pas bien. Mais on m'a appris qu'il était très dur. Je ne le connais pas. Et il y a chose que je n'ai pas... où j'ai un peu moins de respect pour Bemba. Bemba avait gagné les élections de 2006. Il a laissé. Non, il a refusé, il a évité le bain des sang. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Et puisqu'il a évité le bain du sang, ouais. Le pays a perdu plus de 10 millions de la population. Mais autant mieux perdre... Ah oui, 10 millions de la population. Voilà. Donc, je crois qu'un leader...
Il devait s'assumer en ce moment-là. Voilà, absolument. Écoute-moi, en politique... Peut-être qu'on allait tuer encore plus. Écoute, non, mais écoute-moi. C'est un combat où tu t'engages ou tu ne t'engages pas. Si tu dis que tu veux devenir président, il faut s'assumer et accepter les conséquences. Alors, puisque le peuple a mis son espoir sur vous, et à ce moment-là, je ne conseille pas Bemba. Et puis, mon neveu que j'ai amené d'ici, il me disait, hey, tonton Marcel, nous devons supporter Bemba, c'est moi Namboka. Je ne comprenais pas, puisqu'à ce moment-là, je ne m'intéresse pas trop à la politique. Oh, moi Namboka, tu dois prendre tes responsabilités. Et avec les gens qui ont voté pour vous, et Bemba ne s'est pas assumé dans ça. Et je crois qu'il a perdu l'opportunité de sa vie. Et tout ce qu'on a fait, les connivences là pour le mettre en prison, c'est pour l'éliminer politiquement. Aujourd'hui, le pays traverse une situation extrêmement difficile. Avec cette question de la loi Tiani, la proposition de sa réflexion, personne n'est d'accord avec, au niveau international, on va dire. On a entendu la MONUSCO rappeler, mettre en garde même, ce que je trouvais ses propos assez déplacés, mettre en garde la République démocratique du Congo. Nous avons entendu le cardinal Ambongo, par exemple, dire que cette loi visait tout simplement la discrimination des gens. Alors, vous, personnellement, et puis ça tombe bien parce que vous êtes américain de nationalité et d'origine congolaise, et vous en savez un peu sur les verrous de nationalité ailleurs dans tout le pays ou dans plusieurs pays. Quelle est votre lecture sur cette réflexion-là? Okay. Le Congo doit faire beaucoup attention à la MONUSCO. Okay. La MONUSCO n'a jamais été l'ami du Congo. L'ONU n'a jamais été l'ami du Congo. L'ONU a été pour servir les intérêts des Occidentaux. Ça, vous devez comprendre ça. L'ONU a contribué à la mort et à la désintégration du premier gouvernement de Lumumba. Je vis la dame là, Zerigouli, présentée aux Nations Unies, au Conseil des Nations Unies, les élections au Congo. Tout était faux, ce qu'elle présentait. Et je sais, j'ai plus ou moins, que cette dame-là, elle est là pour servir les intérêts des Occidentaux et pas les intérêts des Congolais. Donc, il ne faut pas qu'ils critiquent. Ça, c'est la loi à nous. Et il ne faut pas écouter ce que MONUSCO, ces gens-là, veulent dire. Deuxièmement. Le cardinal Ambongo. Oui. Je ne crois pas que... je vais arriver au caractère Ambongo. Je suis américain d'origine congolaise. Je ne peux pas devenir président des États-Unis. La loi est claire. Si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne peux pas devenir président. Oui. J'ai fait aussi une spécialisation en cardiologie interventionnelle au Canada, à Calgary, à l'ouest. Il y a ma deuxième fille qui est née au Canada. Elle sait depuis la naissance qu'elle ne peut pas devenir président des États-Unis. Mais que peut-être Premier ministre du Canada. Ce n'est pas de la discrimination. Troisièmement, le pays a été envahi jusqu'au sommet de l'État. Le Congo a connu une situation misérable de 20 ans. Les gens ne savent pas l'origine de Joseph Kabila. Comment est-ce qu'il est arrivé à accéder au pouvoir? Quelle a été la constitution congolaise au moment où il a pris le pouvoir? Ce sont des problèmes qui devaient être résolus où le peuple congolais a payé cher pendant 20 ans. Et que ce problème qui n'a pas encore été résolu jusqu'à aujourd'hui. J'ai rencontré Tiani une fois dans ma vie. Et ce n'est pas mon ami. Je peux vous dire ça. J'ai un peu d'engagement dans la passée avec lui. Mais cette loi... C'est la souveraineté congolaise. Et ça ne vise personne. Comme je vous dis, j'ai pu avoir des ambitions à faire la politique un jour au Congo aussi. Mais je dois me soumettre à la loi du pays. Est-ce que chez vous en Amérique, qui devient président? Qui peut être candidat président? Celui qui est né sur le sol ou celui qui est né des parents américains? Je ne connais pas assez très bien, mais
ce que je connais sur le sol américain, mais je crois aussi des parents américains, si vous êtes né dans une base américaine, par exemple, un Américain qui est ambassadeur ici. Comme il promenait, je crois qu'il était... Il est, oui, oui, en France, oui, oui, voilà. Au McCain. Je crois que c'est McCain. McCain, son papa était... Ça, c'est le sol américain. Oui. Donc, tu peux devenir président. Oui. Mais si vous n'êtes pas... Mais, aux États, là, c'est, ça, c'est problématique. C'est problématique. Voilà. Aujourd'hui, Tiani dit, il faut naître de père et de mère congolais pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres estiment que c'est discriminatoire parce qu'il y en a qui ne sont pas des pères congolais, mais des mères congolaises. Vous voulez les empêcher d'arriver juste parce qu'ils n'ont pas été nés des pères congolais. Où est leur problème? Eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont des enfants. C'est la loi qui doit être débattue au Parlement. Et que c'est vous qui avez élu ce Parlement. Et le Parlement est là pour servir le peuple, l'expression du peuple, qui débatte et détermine. Moi, je suis Américain d'origine congolaise. J'aurais aimé un jour peut-être venir, je ne sais même pas si je peux m'être sénateur du Sanko, je ne sais pas si la loi me permet. Si, donc, vous renoncez à votre nationalité. Voilà, donc, il faut élargir ça, mais moi, je crois que comme le Congo a été envahi par des étrangers jusqu'au sommet de l'État, cette loi doit être débattue sans être discriminatoire. Oh. Et cette loi ne doit pas être ni pour ou contre moi ou Katumbi ou quelqu'un d'autre. Ah, parce que vous parlez de Katumbi, c'est son parti à lui et le FCC qui, jusqu'aujourd'hui, ont manifesté un mécontentement. Ils ont dit qu'ils vont attaquer la loi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le FCC de Joseph Kabila est contre la loi de Tiani. Ils ne veulent même pas entendre parler. Ils disent qu'ils vont attaquer. Et puis, un peu comme pour charrier, je ne sais pas qui, ils disent prochainement, eux aussi vont demander ça va, la c'est normal. Loi, qu'on nous montre le diplôme, la certitude des études. Ok, de qui? Ben, je ne sais pas, ils disent qu'ils vont... Écoute-moi. Ces lois doivent être... On doit débattre ça au Parlement. Dans un système démocratique, la majorité dirige. Si Katumbi et Kabila ne sont pas pour cette loi, ou même Tshisekedi ne sont pas pour la loi, qu'ils se disent, et c'est un moyen d'enseigner la population congolaise. Oui. Et je vais terminer sur un point. Oui. Et puis, s'ils ne sont pas d'accord avec cela, vous êtes un avocat, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle judicial review. Vous attaquez cette loi. La Cour constitutionnelle. Et si ça ne va pas, on peut aller au référendum. Mais dans la démocratie, si on laisse la minorité décider, c'est la tyrannie de la minorité. Et c'est la tyrannie. Voilà. Donc, cette loi, même si ça va défavoriser, c'est dans la démocratie, tout passe par le. Et si vous ne voulez pas, changez le Parlement. Alors, cher professeur, on est arrivé à la fin de l'émission, mais je voudrais qu'on parle de ce que vous faites. Parce que vous êtes cardiologue. Je voudrais qu'on en parle suffisamment. Mais en même temps, vous êtes médecin. De quel œil voyez-vous la structure ou les structures sanitaires au Congo, les infrastructures en termes de santé, la politique de santé publique, le système médical? Comment vous le voyez? Aux États-Unis, nous donnons les grades, les côtes. A, B, C, D. Le système médical... pas système médical comme tel aux États, au Congo, je donne F. Fair. Donc, partons d'une échelle de 1 à 10, vous donnez combien? Au Congo? Oui. 2 ou 3. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, bon, pas avec moi, mais avec beaucoup de gens qui pensent que les gens meurent au Congo, pas forcément par maladie, mais à cause de la précarité du système médical? Et qu'on on enverrait beaucoup de gens à la morgue, des gens qui sont encore vivants, qui pouvaient être récupérés? Pratiquement ici, la façon dont je considère ici, si vous tombez malade, vous êtes sauvé par grâce de Dieu, c'est pas à cause de la médecine. Okay. Donc la médecine ici, elle est presque non existante. Évidemment, les gens savent traiter le malaria d'une façon très efficace,
Mais à part ça, vraiment, le système médical est presque non existant. Ce qui est encore bizarre, la moitié des médecins noirs en Afrique du Sud sont des médecins qui sont venus du Congo. C'est controversé. Voilà. Il y a, c'est complexe, c'est compliqué à comprendre. Voilà. Oui. Donc, tu vois, le système, et des Kabila surtout, les fléaux des Kabila, tout ça, ils chassent les médecins de leur pays qu'ils ont formé. Ça, ce n'est pas smart, ce n'est pas assez intelligent. Le bien-être. Voilà. Mais est-ce que vous avez visité notre plus belle infrastructure en termes de santé ici? Si. On nous dit que c'est l'hôpital des cinquantenaires. Vous l'avez visité? Non, je n'ai pas, puisque j'ai des informations que je ne suis pas content pour cet hôpital des cinquantenaires. 100 millions de dollars. Voilà, mais j'ai visité le centre universitaire, j'ai visité l'hôpital Dick Mbemutombo. Ah, le clinique universitaire. Le clinique universitaire. Vous avez vu ça? C'est bon? C'est dans les... Non, mais écoute, le système sanitaire est dégueulasse. Tu sais, la première chose, quand vous partez dans un hôpital, c'est que, est-ce que les toilettes marchent bien? C'est simple ça. D'abord les toilettes. Et maintenant je viens là, les toilettes là. Et est-ce qu'il y a, puisque tu vas, l'endroit la plus, où il n'y a plus de microbes, où vous devez faire beaucoup plus attention, c'est l'hôpital. D'accord. Donc même si le système sanitaire seulement, c'est effrayant. Vous pouvez attraper toutes les maladies du monde à l'hôpital. Donc, tu vois, il ne préserve pas les acquis qu'on a, même sur ça seulement. Les médecins, ils sont bien formés, mais ils ne sont pas assistés. Ils ne sont pas bien payés. C'est complètement la désintégration de la société. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que vous devez faire attention. Si vous ne protégez pas la société, si vous ne formez pas bien ces médecins, ils vont vous tuer tous. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais alors, mais parlons de la cardiologie, au fait. Mm-hmm. Vous êtes médecin de cœur, on va dire. Oui. Vous traitez les cœurs. Oui. Vous savez détecter quand les gens attrapent. Oui. Tout ça. Oui. Quand ils attrapent des maladies. Oui. Ça se voit à l'œil nu comme ça? Mais donne-moi le papier si vous voulez que je vous montre. Oui. C'est bien, il faut... Ok. Ça, c'est le schéma du cœur. Oui. Ça, c'est l'aorte, l'artère. Au cœur, ici, il y a des muscles. Et ces muscles fonctionnent puisqu'il y a du sang qui entre, qui circule. Le sang amène de l'oxygène. Le sang vient du poumon, et mélange l'oxygène du poumon, et va aux artères pour alimenter le muscle du cœur. Si ces artères sont bouchées, il n'y a plus de sang possible. Il n'y a rien de sang. Et si ça fait ferme, c'est ce que vous appelez une crise cardiaque. Ah. Donc, nous savons comment détecter qu'il n'y a pas assez du sang qui va au cœur. C'est ce que c'est la cardiologie nucléaire. D'accord. Donc, on peut vous donner des isotopes. On peut faire des exercices d'effort. Vous donnez des isotopes. Vous pouvez le faire maintenant avec moi? Non, oui, s'il y a des équipements ici. Je peux vous donner des isotopes. Je fais dans mon cabinet. Oui. Et quand le sang circule au cœur, ça augmente. On va voir comment le muscle du cœur bouge. Le sang, le cœur, c'était quoi? Une pompe qui pompe du sang. Ce sang doit être oxygéné. Alors, s'il y a des artères qui sont bouchées et que je vous mets en exercice d'effort ici, ça va vous montrer que pendant que vous faites des exercices, il n'y a pas assez du sang qui va dans les muscles du cœur. Et je puis prendre avec le scanner et vous dire, ah, vous êtes à risque d'avoir une crise cardiaque. Nous devons traiter. Et vous pouvez traiter? Oui. Et c'est fini, quelqu'un reprend sa vie normale? Oui. Ou bien, si vous avez une crise, ça c'est le domaine de cardiologie interventionnaire. Si vous avez une artère qui est bouchée à 90%, ou bien si l'artère se bouche carrément, si l'artère se bouche, vous avez une crise cardiaque. Et cette crise cardiaque va produire des battements irréguliers du cœur et le cœur s'arrête. Et quelqu'un meurt. Ouais. Donc, mais si vous avez un arrêt cardiaque même,
avant que les muscles du cœur s'arrêtent, vous avez 2 heures pour que... Et j'ai pu aller avec des sondes, déboucher cette artère, et vous vivez. Oh! Alors, vous avez encore 2 heures pour que les autres muscles s'arrêtent complètement. Voilà. Et pour que votre mort soit assurée. Voilà. D'accord. Et donc, mais vous pouvez, pendant ces 2 heures, oui, gagner la vie de quelqu'un. Voilà. Pendant cette période, quelqu'un est inconscient, il est tombé. Mais tu n'as pas, puisque le sang, le cœur ne bat pas bien, le sang ne va pas assez au cerveau pour amener de l'oxygène. Vous pouvez être inconscient ou vous avez des douleurs. Okay. Et dans le système aux États-Unis maintenant, ils ont ou bien des ambulances, ou bien des hélicoptères qui nous amènent. Donc, je suis ici, un hélicoptère arrive, il me montre où l'ambulance, il fait un électrocardiogramme, et quelqu'un qui a une douleur du poumon, je vois qu'elle a une crise cardiaque. Là, et avant, bon, je dis, voilà, j'amène l'équipe. On arrive là, on débouche ça, dans 2 heures, vous êtes vivant, vous êtes bien. Mais on a dit qu'aux États-Unis ou ailleurs, ils ont maintenant des télémédecines où on peut appeler quelqu'un à distance et vous traitez à distance. Oui. Le premier soin, vous le faites. Oui, mais c'est ça. Donc, dans l'ambulance, vous êtes en contact directement avec le cardiologue, okay, ou bien la salle d'urgence. Et si la salle d'urgence voit que vous êtes en crise cardiaque, il appelle le cardiologue qui appelle avant que vous arriviez. Et on vous traite dès que vous arrivez. Quel est le lien avec... parce que là, c'est le sang. Oui. Mais alors, ceux qui ont des problèmes de respiration, c'est aussi lié au cœur? La respiration peut être liée au cœur, oui, peut être liée à l'asthme, des insuffisances pulmonaires, ou même des conditioning. Oui. Des conditioning. Donc, si vous n'êtes pas en bonne santé, okay, si vous êtes obèse, oui, vous aurez des difficultés à manger. Oui. Mais le cœur aussi, voilà, c'est une autre façon que le cœur meurt. Un cœur où le infarctus, on l'appelle, une crise cardiaque s'est complétée, une partie de muscle meurt. Et quand le parti 40%, nous pouvons calculer, même 40 ou 50% des muscles meurent, donc le cœur bat maintenant à moitié. Et le cœur communique directement avec le poumon. Donc, si le cœur ne peut pas pomper du sang vers le corps, où est-ce que ça rentre? Ça rentre au poumon. Et vous aurez des insuffisances cardiaques. Et là, le poumon est inondé. Voilà, inondé. Vous avez ce qu'on appelle édème, pulmonaire édème. Édème du poumon. Vous ne pouvez pas bien respirer. Ou vous avez ce qu'on appelle insuffisance cardiaque. Est-ce qu'on peut régler ça? Oui. Et quelqu'un n'aura plus de problème dans sa vie. Oui, écoute, le problème de insuffisance cardiaque, c'est un problème à long terme. Pas que vous n'aurez pas de problème dans la vie, mais que nous pouvons vous mettre dans des conditions où vous pouvez vivre normalement. Oui. Et les cancers du cœur, ça existe aussi? Oui, oui, il y a des cancers du cœur, mais les cancers du cœur, souvent, ce sont des cancers qui sont bénignes. Ah, d'accord. Donc, on peut couper. Et on est guéri. Mais ça peut aussi venir d'autres parties de... Parce que ça nous arrive, cher professeur, d'avoir des problèmes de respiration. Vous avez fait quelques petits pas, vous êtes essoufflé. Mais c'est que ça, c'est du conditioning. C'est que vous n'êtes pas en bonne santé. Oui. Écoute, avant de venir, écoute, nous, tous les médecins, ça, nous faisons des exercices d'une façon régulière. Mais surtout, vous, les avocats, vous êtes tout le temps dans vos livres. Oui, dans vos livres, vous n'avez pas le temps de faire des exercices. Oui, voilà, et puis là, si on vous met dans un hôpital aujourd'hui, pendant une semaine, et qu'on vous fait sortir, vous devez vous adapter. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est des conditions. Il faut être en bonne santé, il faut faire des exercices de façon régulière pour prévenir aussi des crises cardiaques. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, les gens connaissent ces choses? Dans nos hôpitaux ici? Je crois dans le milieu médical, je crois. J'étais hier pour faire le test à Mimling de COVID. De COVID, parce que vous voyagez, vous rentrez? Oui, oui, je rentre demain. Oh, qu'est-ce qu'on va être... Vous allez ouvrir quand? Je ne sais pas, je suis très occupé. Et là, j'expliquais, comme je vous explique, ils comprennent ça très bien. Mais quelle était la question encore? Non, si les gens comprennent ça au Congo. Les médecins comprennent, mais je crois que tu vas aux États-Unis, il y a un système d'éducation énorme à la population. Oui. La population congolaise, ils sont contents pour danser, pour voir le sport, mais pas pour être éduqués.
Parce que vous parlez du sport, on a vu ça, des crises cardiaques. Oui. Parce que vous parlez de ça. Oui. Il y a, vous vous souvenez du football? Oui, oui. Il y a oui. Christian, je veux voir son nom, on me l'a écrit. Christian Eksen, je crois, si je me, Eksen, si je me trompe pas. Oui. Il a fait une crise en plein match. Il voilà. Est tombé en... Oui, oui. Et puis après lui, avant lui, il y a Ifoué. Oui. Qui, ça arrive très souvent, mais c'est quoi quelqu'un. Parce que vous allez dire condition, comme vous avez dit. Oui. Mais eux, c'est des sportifs. Oui, oui, oui. Ils ont adapté leur corps dans le sport. Mais comment ça peut, un cœur qui a été formé dans ces choses peut s'arrêter immédiatement et comme ça? Voilà, écoute-moi. Le cœur. C'est de l'électricité. Puisqu'il y a de l'électricité qui va dans le. Donc, tu vois comment le cœur bat. Il y a de l'électricité qui passe. Donc, ce que je veux montrer là, je vais montrer le cœur où il y a la circulation. Dans le cœur aussi, il y a de l'électricité. Il y a des gens qui ont des anomalies pour la conduite de l'électricité. D'accord. Alors, si ces conduites-là, si ça réagit mal, si on n'a pas détecté, donc même les sportifs, il y a même des sportifs qui... Ou bien, il y a certaines conditions du cœur. Si on ne détecte pas, et tu vas maintenant souvent pas même aux États-Unis. Pour même ma fille, il jouait au football et il jouait au tennis. Mais il doit passer par des examens pour savoir si elle a ces conditions-là. Et si vous ne détectez pas, ça peut attraper la mort. Donc, c'est que ces médecins-là, oh, ils n'ont pas fait attention. Donc, il a des conditions, le problème des conducteurs d'électricité dans le corps, dans le cœur, et ça a réagi automatiquement. Merci, monsieur le professeur. On va se lever pour terminer okay, cette merci émission. Beaucoup. Alors, monsieur le professeur, on va terminer cette émission. Deux petites questions. La première, est-ce que vous connaissez le professeur Jean Bellé? C'est un papa pour moi. Jean Bellé, c'est un très, très bon ami, un frère pour moi. C'est de quel type d'intellectuel? C'est le meilleur que le Congo puisse avoir. Okay. Il est docteur à physique nucléaire. Il enseigne dans la meilleure université du monde. MIT, c'est là où c'est le pic de l'intellectuel américain. Donc du monde. Du monde. Pourquoi ne vous associe pas, vous, les gens pour Chambélé, dans des grandes questions de gouvernance du Congo? Je parle des politiciens, pas les autres, mais eux-mêmes, les politiciens qui viennent à vous, vers vous, pour vous demander de l'aide. Oui, pour moi, c'est une déception. Oui. Même pour... le président Tshisekedi, puisqu'il connaît que notre organisation, nous existons, et qu'on ne nous contacte pas. Nous avons des spécialistes dans presque tous les domaines. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'argent. Non. Le pays. Voilà, le Congo n'a pas d'argent pour me payer. Donc... Je suis... Vous n'avez pas d'argent pour me payer. Non. Si je viens, c'est pour un service. C'est vrai. Oui. Il n'a pas d'argent pour me payer. Vous n'avez qu'à voir. Tu vois, tout est à l'Internet. Oui. Vous pouvez voir le salaire des cardiologues aux États-Unis. Average. Vous allez voir. Ça, c'est pas de la... Et un cardiologue interventionnel. Vous allez voir. C'est combien alors? Ah, non. C'est la première question sur l'État de savoir. Non. Mais si je veux venir ici, c'est pour aider. Okay. C'est la même chose pour Jean Bellé. Et les autres. Ils sont bien là, nous sommes bien là. Mais c'est le diaspora que les gens ne connaissent pas. Et, ça me fait mal parce que vous avez autant d'intelligence, vous êtes influenceur à l'étranger, on vous apprécie à l'étranger, on prend soin de vous à l'étranger, mais votre propre pays ne sait pas profiter de votre intelligence. Absolument. Ouais. Pour la cardiologie interventionnelle, j'ai contacté le doyen. Je lui ai dit, écoute, je travaille des équipements que je travaille, c'est 3 millions de dollars. Je dis que pour ouvrir un centre de cardiologie interventionnelle, il faut un consensus national. Donc, il faut que le pays voudrait s'investir. Mais si, tu sais, la douleur encore, c'est que les gens qui meurent de crise cardiaque, c'est des intellectuels comme vous, des gens qui sont bien assis dans le gouvernement. Ils n'auront pas le temps d'arriver en Afrique du Sud. Oui, comme je vous dis, vous avez une période de 2 heures. Quand est-ce qu'ils vont prendre l'avion? 4 heures. Voilà, c'est bon. Voilà, le cœur, si vous avez une crise cardiaque, c'est 2 heures seulement. Faisons un centre ici, en Kinshasa, au centre de l'Afrique. Ils ne peuvent pas.
D'abord, c'était le Parlement qui ne décidait pas. Évidemment, le Parlement, vous parlez du Parlement, ils sont contents avec leur Jeep, ils ont oublié le peuple. Mais faites ça vous-même, professeur. Je ne peux pas, je n'ai pas de l'argent pour... Oui, je n'ai pas de... Ça va coûter combien, environ? Tu vois, il faut toute une équipe. Si vous avez une crise cardiaque maintenant, je ne peux pas vous sauver. Mais si j'ai toute une équipe, je vous sauve. D'accord. Donc, cette équipe-là, il faut un budget national. Deuxièmement, si vous avez une crise cardiaque, je n'ai pas le temps de savoir si vous allez payer ou pas. D'abord soigner. D'abord soigner. Donc, ça doit être un consensus national. De subventions. De subventions, de tout ça, pour ce centre comme ça. Vous en avez combien aux États-Unis, des centres comme ça? Partout. Partout? Partout. Mais au Congo, il n'y en a même pas un seul. Écoutez, chaque ville, et même de petits villages... Mais écoute, c'est la façon de traiter des gens qui ont des crises cardiaques, ce n'est pas de la magie, c'est réel. C'est comme moi je vous ai écrit là, c'est vrai. J'ai pu détecter avec la cardiologie nucléaire des gens qui vont avoir des crises cardiaques. J'ai pu leur conseiller d'éviter les crises cardiaques. J'ai pu arrêter les gens qui ont des crises cardiaques puisqu'ils vont mourir dans 2 heures. C'est sûr. Et vous l'avez fait depuis combien de temps? Depuis 92. 92. Oui, mais j'ai été formé par celui, le professeur qui m'a formé pour faire la cardiologie interventionnelle, a été formé par celui qui a inventé la cardiologie interventionnelle. Mais alors, vous êtes un savant. Non, pas un savant, mais j'ai beaucoup appris. Oui, alors, vous avez beaucoup appris là. Oui. C'est-à-dire que vous avez été enseigné par celui qui a vu les géniteurs de cette histoire. Voilà, c'est Andrea Gozing qui a inventé. Et c'est lui qui Vous l'avez connu? Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu son disciple. Son disciple, et c'est mon... Le disciple de son disciple. Voilà. Alors, comment vous avez connu, comment vous avez trouvé l'émission Face à Face pour la première fois? Nous vous recevons. C'est bien, je vous suis un peu de l'extérieur. Merci. Et j'ai choisi ici, puisque je sais que vous êtes un journaliste intelligent. Merci. Merci, professeur. Et que vous voulez servir le pays. Oui, j'ai vu là comment vous étiez agonisé, pourquoi le pays n'avance pas. J'ai vu cette émission-là. Oui, oui. Et c'est le souci que nous tous nous avons. Exactement. Pour le pays. Exactement. Nous voulons que le pays avance. Exactement. Alors, est-ce qu'il faut, pour terminer, est-ce qu'il faut une fusion de tous les intellectuels de partout à travers le monde qui sont congolais, avoir par exemple un forum national des intellectuels du Congo sur la question pourquoi les Congolais ne se développent pas, présidé justement par le président, les présidents de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, pour booster le pays, ou vous pensez que c'est une question de leadership, c'est le chef qui tape sur la table, appelez-moi tel, et dites-moi pourquoi ça ne marche pas et comment ça doit marcher? Non, tu vois, un des problèmes que j'ai avec le président Tshisekedi, il est bon, il est nationaliste, il n'a pas encore formé la présidence. Le président du Congo, c'est comme si je suis dans les soins intensifs, okay, où le malade est en train de mourir de côté, de côté. Il faut avoir des spécialistes dans tous les domaines. C'est ce qu'il va faire, puisque la présidence, ça doit être un organe de conception, de décision, et laisser le Parlement pour la délibération. Je ne crois pas. Et si vous n'avez pas ça, il n'y a personne, même Jean Bellé, ne peut pas diriger le Congo seul, sans avoir des gens qui sont capables autour de lui. Et jusqu'à présent, j'ai discuté avec le président Fachi, quand je l'ai vu, avant qu'il soit président, je lui dis ça, comme... Jusqu'à présent, je ne vois pas les têtes autour du président qui peuvent l'aider. Il ne peut pas faire lui-même. Impossible. Il y a des problèmes partout. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'il faut être fou pour devenir président. Donc, tu vois, jusqu'à présent, je n'ai pas... Nous suivons de près la politique du pays. Mais pour que le pays soit développé ou en voie de développement, il faut la présidence. Il faut des experts dans tous les domaines qui entourent le président. Merci beaucoup, professeur. Et okay. Vous, Marcel. Okay. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Okay. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonne chance. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire pour terminer? Nous espérons que le pays va avancer. Oui. Nous espérons que les dirigeants congolais vont voir le problème de santé des Congolais. Puisque tu vas, c'est plus facile même. Tu vas, je fais de la cardiologie interventionnelle. Je fais de la cardiologie aiguë. Il y a moyen d'augmenter le niveau de vie de la population congolaise sur la prévention. Cuba l'a fait. Ils n'ont pas la technologie comme aux États-Unis. Et ça a réussi.
avec la prévention seulement, vous pouvez augmenter 10 ans. Et puis finalement, il faut que le pays soit organisé. On ne peut pas conduire comme à Kinshasa. Oui, c'est pas possible. Merci beaucoup. Mesdames, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été très nombreux. N'oubliez pas de partager la vidéo et même de faire des commentaires. Et avec le professeur, on va certainement avoir un autre contact quand il sera certainement aux États-Unis, même en direct. On fera des émissions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les services. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Loye Mbolo Nene Yalisa.